À 10 ans, Jean-Marc ne peut ni marcher, ni s'asseoir, ni parler. Depuis sa naissance, il souffre d'une paralysie cérébrale, une maladie du cerveau qui provoque un retard de sa croissance. 2 jours après la naissance, on a fait les 3 CHU d'Abidjan parce qu'il était atteint d'une infection au niveau de l'ombril. À la suite de cela, à l'âge de 8 mois, on a commencé à constater que les malformations ont commencé. L'homme qui fermait la bouche n'arrivait plus à fermer totalement, n'arrivait plus à s'asseoir seul. Quand il s'assoit, il tombe seul. Et nous sommes rendus dans plusieurs centres. On nous a dit qu'à la naissance, il avait avalé l'eau de placenta. Généralement, qu'on appelle l'eau sale. Donc on a passé vite dessus, ce qui a fait que le cerveau a été endommagé. Comme Jean-Marc, plusieurs enfants souffrent de cette pathologie, souvent associée à des sorts maléfiques. Qualifiés parfois d'enfants serpents ou d'enfants de malédiction, ils sont difficilement acceptés dans la société. Il y a 3 ans, Herman et sa femme ont accueilli leur première fille qui a été atteinte par cette maladie. Depuis, ils ont été abandonnés par leurs familles respectives. Moi et mes propres parents, lorsqu'ils ont vu l'enfant, ils ont trouvé que l'enfant était un enfant serpent, qu'on va l'accompagner. Elle-même, à son niveau aussi, au niveau de sa famille, lorsque sa maman a vu l'enfant, elle dit « Ah, si ça vous fatigue là, venez au village avec elle, on va voir comment on peut faire pour l'accompagner. » Chez nous, quand on dit « accompagner l'enfant », ça allait tuer l'enfant. Ça nous fait mal. Aujourd'hui, nous souffrons. Et nous sommes ceux à souffrir, parce qu'autour de nous, tout le monde nous a abandonnés. Troubles du neurodéveloppement qui affectent la motricité et le langage, la paralysie cérébrale ou l'infirmité motrice cérébrale est la première cause de handicap chez l'enfant, selon l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire, cette maladie touche plusieurs enfants. Les chiffres exacts restent pour l'heure incertains, mais ce qui est prouvé, ce sont les causes de cette pathologie qui peut survenir de diverses manières. On peut avoir un AVC anténatal qui peut en être la cause, un accouchement difficile avec une hypoxie, donc un manque d'oxygène au cerveau lors de l'accouchement, et des facteurs de risque très importants qui sont des infections maternelles pendant la grossesse. Dès que le parent constate un retard dans le développement de l'enfant, un enfant qui ne tient pas la tête, qui ne s'assoit pas à temps, qui ne marche pas à temps, ça doit inquiéter le parent pour qu'il puisse consulter afin que nous puissions faire des examens et en fonction de ça, conduire la prise en charge adaptée. Dans bien des cas, les parents d'enfants atteints de paralysie cérébrale préfèrent vivre dans l'ombre pour éviter d'être stigmatisés. Depuis 2 ans, Marcel s'est engagé dans un combat pour un changement de regard vis-à-vis de ses enfants. La société n'a plus le droit et ne doit pas regarder l'enfant comme un enfant, on va dire, à charge ou un enfant méprisable, ni stigmatiser les parents, mais aider les familles à traverser cette épreuve qui est très difficile. La prise en charge des enfants souffrant de paralysie cérébrale n'est toujours pas subventionnée par le gouvernement ivoirien. Les charges reposent entièrement sur les parents qui sont obligés parfois de mettre un terme à certains traitements, faute de moyens financiers. J'arrivais à payer les médicaments dans les débuts. Mais actuellement, là, sérieusement, je n'ai plus... C'est difficile même pour moi de pouvoir avoir. Parce que je prends par exemple une ordonnance qui me revient à 30 000 francs chaque semaine. Vraiment, ce n'est pas facile. Au niveau de l'État, je demande un soutien qu'ils puissent nous aider au niveau des médicaments, voire la réduction, ou bien passer les bombes. Les médicaments, même, certains ne passent pas sur bombes. Depuis des années, ce centre médico-psychosocial soutient les parents dans l'éducation de ses enfants. Mais la plus grande difficulté demeure l'accompagnement du gouvernement. C'est vrai que l'État nous vient en aide, mais vraiment, elle est insignifiante. Il y a la charge fixe. Il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte parce que nos matériels avec lesquels on travaille en classe, ce n'est pas les fournitures scolaires de tous les jours. Non, non, non. C'est des jeux éducatifs, c'est des activités vraiment adaptées. Les organismes qui militent en faveur de ces enfants souhaitent un changement de mentalité afin de permettre aux parents de sortir de l'isolement et faciliter l'insertion sociale de tous les enfants souffrant de paralysie cérébrale. Je suis un enfant.